Dis-moi, Donald, que veux-tu que je fasse? Hein? Que dois-je faire? Allez, en quoi veux-tu me faire dans mon mode de vie? Hein? Que veux-tu? Tu es ma femme. Je t'ai légalement épousée. Et de ce fait, tu dois m'accorder le respect de Nippo. Il y a d'autres femmes là-dehors qui font leur travail et s'occupent de leur famille en même temps. Vraiment? Il y a d'autres femmes? Alors, pourquoi ne pas tu pas chercher ces autres femmes et en épouser une, vu qu'elles sont parfaites? Laisse-moi tranquille. Reste avec elles, tu me fatigues. Ah! J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Jessica, t'es folle! Jessica. Que se passe-t-il ici? Tu t'es réveillé à 5 heures du matin, mais il n'y a pas de petit déj. Oh, s'il te plaît, Donald. Ce n'est pas le moment. Tu sais qu'on s'est disputé la nuit dernière. Tu ne vas pas nier. Non, attends, excuse-moi. Tu veux dire que tu t'es levé à 5 heures du matin simplement pour prendre un bain? Et maintenant, tu portes tout ce maquillage, très bien habillé pour aller au travail sans m'avoir fait un petit déjeuner. Oh, honorable Timmy. Oui, allô, honorable. Ah, bonjour. Oh oui, les bureaux de votre entreprise sont enfin prêts. Mm-hmm. Et nous sommes prêts à bosser. Bien sûr. Oh oui, je vais personnellement me charger de vos livraisons. Bien sûr que vous pouvez compter sur moi. D'accord, merci. À bientôt. J'ai des inventaires à faire et j'ai une réunion dans exactement 55 minutes. Et c'est 15 minutes d'ici à mon bureau, alors je n'ai pas une minute de plus à perdre. S'il te plaît, trouve-toi un truc à manger avant d'aller au bureau. Et Bouta Gouven, je ne suis pas ta domestique. Oui, allô? Oui? Bienvenue. Voyons, fais confier toi. Waouh, j'aime bien ta déco. Tu aimes? Veux-tu que je te serve un truc à boire? Pas maintenant. Dis-moi, est-ce que tu vis tout seul? Ouais, tout seul. Pourquoi? Tu veux dire qu'il n'y a aucune femme dans ta vie? Ouais, j'en avais une. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle avait une liaison avec son boss. C'est vraiment triste. J'ai vécu les mêmes choses. Vraiment? Oui. Et qu'en est-il de ta mère? Ma mère. J'aimerais te montrer un truc. Suis-moi. Ils sont allés en vacances aux États-Unis, comme il le faisait chaque année. Et puis j'ai reçu un appel venant de l'hôpital Johns Hopkins, m'informant qu'ils étaient morts. Oh mon Dieu. Elle me manque tellement. Elle a toujours été dans mon cœur. Elle était si belle. Ah.
Écoute, bébé. Je suis là pour toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Ok? Tu es sûr? Oui. Tu en es bien sûr. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Vous dites que si je ne vous donne pas le reste d'argent, vous ne me livrez pas la marchandise. Mais nous faisons des affaires depuis des années. Pourquoi me faire ce sale coup? Vraiment. Je vais vous rappeler. Je vous rappelle. À plus tard. Merde. C'est pas possible. Bébé, est-ce que tout va bien? Pas du tout, bébé. Pas du tout. J'ai commandé une marchandise de 36 millions. J'étais censé finir 6 millions après. Et maintenant, ils disent qu'ils vont bloquer la marchandise si je ne finis pas les 6 millions. Ah ah, pourquoi font-ils ça? J'ignore complètement. Je fais des affaires avec cette entreprise depuis des années. Où vais-je trouver 6 millions de Naira maintenant? C'est sérieux. Ah ah. Seigneur, c'est pas vrai. Mon Dieu. Bébé, je n'ai pas du tout 6 millions. Mais j'ai des petites économies et je pense que je pourrais avoir 2,5 millions ou 2,8 millions dans mon compte. Je vais te les donner pour pouvoir te soutenir un peu. Tu vas vraiment me les donner? Tu es sérieuse? Tu es vraiment un ange, bébé. Merci infiniment. Oups, désolée. Ah, je lui ai laissé des consignes ce matin. Demain, c'est l'anniversaire de l'honorable Vincent et devine quoi? Dis-moi. Il a envoyé une invitation privée à notre équipe. Waouh, c'est très intéressant. Waouh. Mais malheureusement, je n'y assisterai pas. Tu sais, demain, c'est samedi et Donald sera à la maison. Chérie, c'est une opportunité en or. Et crois-moi, nous y serons à fond. Cherche déjà l'excuse que tu donneras à Donald pour sortir. De toute façon, je suis sûre que tu vas t'en charger. Eh bien, je vais trouver une excuse. Tu ferais mieux. Compte sur moi, sur là. Passe une bonne toi journée. Aussi, on se voit demain, d'accord? D'accord. Prends Malik. Soin de toi. Ah, toi aussi. Malik! Oui? Ouvre le portail. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Ouais. Il y a quelqu'un au portail qui dit que son nom, c'est... qu'elle vient de... Aïe, j'ai encore oublié le nom. En fait, de l'agence Porkis, que vous lui avez demandé de venir à cette adresse. Oh oui, c'est pour moi. S'il te plaît, fais l'entrée.
Ok, je la fais entrer. Exactement, enfin. Qui est-ce? Tu aurais dû la recevoir dans ton bureau et pas la faire venir ici. Bébé, tu sais que je ne mélange pas vie privée et boulot. Oh, elle est là, elle arrive. Oh mon Dieu. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Je suis Lizzie Jensen de l'agence Yes. Vous avez demandé une aide ménagère. Oh ma chère, soyez la bienvenue. Oh Lizzie, j'ai demandé une domestique, je veux dire quelqu'un qui peut cuisiner, ménage, faire la lessive, quelqu'un qui peut s'occuper de la maison. Pas une avocate, pas quelqu'un qui, je sais pas trop. Mais je suis apte pour le job. Oui, bébé, je crois qu'elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Elle est classe, tu sais, la classe, c'est... Oh, bébé, pas exactement. Ok, ma chère, j'ai fait appel à vos services, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je ne pense pas que vos services soient nécessaires. Mais vous avez payé pour une avance. Oui, je sais que j'ai payé, mais je vous demande de garder l'argent. Tu devrais être contente. Merci. Merci, monsieur. Bye. Bye. Je ne comprends pas, bébé. Tu ne veux plus... Si, mon amour. ...d'une femme de ménage. Je vais trouver une... Elle m'a l'air très bien. T'as versé une partie de l'argent, je veux dire, c'est juste une jeune fille innocente. Bébé, ne t'en fais pas. On va trouver quelqu'un d'autre. Elle n'est pas si innocente. Elle faisait l'affaire. Bébé, nous allons trouver quelqu'un d'autre, ok? Oui, allô? Oui, Ada? Oui. Ada? Je suis à la recherche d'une femme de ménage. Oui, quelqu'un qui peut faire le ménage, la vaisselle et la lessive. Oui, une domestique, exactement. Ok. Disons, 50 000. Oui, je paye 50 000 le mois. Chaque mois, oui. Bien, d'accord. D'accord. Je compte vraiment sur toi. D'accord, prends soin de toi. Bye. Wow, Derek. Ouais. Salut, mon frère. Comment tu vas, mon frère? J'étais tellement content lorsque tu m'as appelé pour me dire que tu étais en vie. C'est bien de te revoir. Je suis très content de te voir. Bien sûr. Je sais que tu es mon meilleur ami. Et aussitôt que j'allais arriver en ville, j'allais t'appeler. Je te connais. Alors quoi de neuf? Ouais, écoute. J'ai une nouvelle gonzesse. Une nouvelle gonzesse? Est-ce seulement ça dont tu voudrais me parler? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je te raconte un truc vraiment important et tu me demandes si c'est tout. Ça veut dire quoi? Ok, d'accord. Maintenant, tu parles bien. Écoute, elle fait partie de ces femmes entrepreneurs et indépendantes. Ma? Ouais. Oui. Et alors? Et nous avons passé toute la nuit d'hier ensemble. Mais qu'elle est très délicieuse. Je peux imaginer, vu l'air ridicule que tu as en m'expliquant tout ça. Je veux dire, à ce que je sache, tu devrais être plus professionnel. Voyons, tu es très instruit. Arrête cette vie de débauche. Qu'est-ce que je t'offre à boire? Dis-moi ce que je te sers. J'ai tout ce que tu peux vouloir. Je dois célébrer ceci, frère. J'en viens. Au revoir. Ok. C'est super. Maintenant, débutons les avantages du domestique. L'avantage clé, c'est que la domestique est toujours disponible. Quand le gardien, le chef de la sécurité a faim. Oui, monsieur. Bien. Toi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Blessing. Ton nom, c'est Blessing. Bien. Et tu sais préparer... Comment ça s'appelle encore? La soupe à découer? Oui, monsieur, mais pas très bien. Ah, ok. Pas très bien. Bien. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Stella. Tu t'appelles Stella? Oui. Es-tu du Nigeria? Non. Tu n'es pas du Nigeria? Oui. D'où viens-tu? Calabar. Ah, ok, de Calabar. Bien. Et toi, quel est ton nom? Moi, c'est Cindy. Cindy. Oui. Ok, tu es Cindy. Oh, bien, 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 bien. Ok, tu cuisines bien le netoupe? Très bien. Très, très bien. Un délicieux netoupe. Bien. Et toi, tu peux cuisiner... du risotto? Malik? Madame! Viens par ici. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame.
Malik. Madame. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Et qui sont ces filles? Ah, en fait, madame, ces filles... En fait, ces filles, elles sont venues pour un entretien concernant le poste de ménagère. Entretien? Oui, madame. Qui t'a demandé de mener un entretien dans cette maison? Hein? Madame, c'est vous qui m'avez dit de mettre une annonce sur le portail. Recherche d'une domestique. Bien sûr, bien évidemment, je l'ai fait. Et ces filles que vous voyez là sont là pour l'entretien. Malik. Madame. Je t'ai juste demandé de mettre une annonce indiquant que j'ai besoin d'une domestique. Et non pour toi de mener des entretiens. Madame. Madame, c'est juste à cause de l'incident de jeudi passé. Je me suis dit que j'allais vous aider, que certainement vous êtes trop stressée, alors j'ai décidé de vous apporter un peu d'aide. Je sais que vous stressez déjà beaucoup au travail, alors je voulais vous aider un peu. Oui, madame, c'est juste de l'aide. Oh, Malik, merci infiniment pour tes efforts. Merci, madame. Mais je ne veux pas de ça ici. En plus, si je devais faire passer des entretiens à ces filles, aucune ne sera retenue dans cette maison. Alors retourne là-bas et renvoie-les. Madame... Attendez, madame, s'il vous plaît, vous savez, celle qui est de ce côté, du côté gauche, à cause de son derrière, madame. Hein? Essayez de comprendre, madame. En votre absence, elle et moi, on pourra... Hey! Écoute, Malik, vas-y, et mets-les dehors. Vous savez quoi? Et vous, sortez de ma maison! Sortez de ma maison! Sortez! N'importe quoi. Sortez! Et toi, Malik? Madame. Si tu veux rester dans cette maison, tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Au cas contraire, je vais te chasser de cette maison. Foutaise. Il me parle de grosses fesses. N'importe quoi. Oui, chérie. Oui, elle n'est pas loin. Devine quoi? Oui, elle est à la cuisine et prépare le dîner. Elle vient de finir la lessive. Oh! Oh, vraiment? T'es déjà en route? Oh, très bien alors. Je vais gérer. D'accord, chérie. À bientôt! Qu'est-ce que c'est? Néné! Je suis désolée. Néné! Madame! Viens ici. Que vas-tu faire? Bébé, calme-toi. Néné. Bonsoir, monsieur. Pourquoi tu fais un repas si lourd pour le dîner? Madame, vous n'avez rien précisé. J'ai dû faire avec ce qu'il y avait dans la cuisine. Je suis désolée, madame. Si je me souviens bien, je pense t'avoir dit que... Je n'accepte pas que ma domestique me tienne tête. Madame, je ne vous tiens pas tête. J'étais juste en train de vous donner les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu vous cuisiner un repas léger. Et tu l'ouvres encore. Ça suffit avec les discussions. Je veux dire, tu sais qu'en ce moment, ton mari a besoin de manger des repas lourds. Regarde-moi, est-ce que c'est comme ça que j'étais avant? Tu sais quoi? Je pense que ça suffit. Ça suffit. C'est vraiment dingue. Je vais me coucher. Excusez-moi. S'il te plaît, ma chère. Je suis désolée. Non. Il n'y a pas de problème. Tu peux me servir, s'il te plaît. D'accord. Hey. Ah, Malik. Bonjour. Oui, bonjour. Hey. Bonjour une fois de plus. Bonjour. Ne te fâche pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, depuis que tu es arrivé dans cette maison, tu ne m'as même jamais dit hi. Hello. Ah ça, je suis vraiment désolée. Tu sais, depuis que je suis arrivée ici, je suis occupée dans la maison. Désolée, alors comment tu vas? Je vais très bien. Toute ma famille va bien. Okay. ne te fâche pas. D'accord, ne te fâche vas-y. Pas. Sais-tu que tu es vraiment belle? une beauté africaine.
Ah, une femme noire dans toute son élégance. Une femme noire avec tout le charisme. Merci, Malik. Merci. J'ai des choses à faire à l'intérieur, tu sais. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas, mais quand... en fait, je voulais dire que quand la patronne ne sera pas là... oui, quand elle ne sera pas là, tu seras moins occupé. Tu pourrais venir papoter avec moi. Me faire un petit coucou. Hello. Hi, hello. Qu'est-ce que cela signifie? Hein? C'est quoi tout ça? Malik, s'il te plaît, parle vite. J'ai des choses à faire à l'intérieur. Ok, ne te fâche pas. Écoute, ce qu'elle veut dire, c'est que vu que madame et Olga forment une famille, maintenant, moi et toi, on peut aussi former une famille. Et en mathématiques, si j'applique la mathématique, une famille plus une famille sont égales à 44. Tu vois donc que toi et moi, nous pouvons former une famille. Ça veut dire quoi, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Malik, s'il te plaît, j'ai des choses à faire à l'intérieur. Tu n'es pas sérieux. Pas grave, je connais ton système. Tu veux juste te faire désirer, je connais. Odou Shakarabwa, un bel homme comme moi. Un bel homme comme moi, charismatique et élégant. Toi, quand j'aurai fini avec toi, hein, quand je vais finir avec toi, tu ne me tiendras plus le même langage. Tu vas m'appeler Swap Soupa. Je suis un rafleur né. Je vais te montrer le feu. Oh, elle est naïve. Mon cœur. Ouais. Nous n'avons pas eu de relation intime depuis que tu as commencé ton nouveau travail. Oui, bébé, c'est ce travail. Il me stresse. Bah, ok, puisque c'est le stress, je voudrais que tu prennes un congé pour qu'on puisse construire notre famille, s'il te plaît. Bébé, est-ce que tu parles de faire les enfants? Oh oui. Oh chérie, je pense t'avoir dit plusieurs fois et je ne suis pas prête pour la pression et le stress qui viennent avec les enfants. Du moins pas maintenant. Vraiment? Mais tu es prête pour la pression qui vient de ton travail et tes incessants voyages et toutes ces supervisions inutiles. Pour ça, t'es prête. Tu parles de mon boulot, pour l'amour du ciel. C'est de mon travail dont tu parles. Il s'agit de ma famille, alors j'ai le droit de parler. Oui, parce que cette maison est trop grande pour qu'on y vive seul. Cette maison est tellement vide. Je veux des enfants. Malik. Salut, Donald. Bonjour. Que fais-tu ici? Je suis venue voir ta femme. Elle est injoignable depuis notre retour. Ma femme? Oui. S'il te plaît, je voudrais savoir. Est-ce que Jessica est vraiment ma femme? Oui. Oh, incroyable. S'il te plaît, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu arrêtes de venir ici la chercher. Parce que tu as une mauvaise influence sur elle. Je te demande pardon. Je t'excuse pour cette fois. Je me fous pas mal de comment est-ce que tu le prends. Mais je veux que tu arrêtes de venir ici chercher ma femme. C'est clair? Écoute, je ne vais pas rester là et te regarder m'insulter. J'ai fait de ta femme ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, va-t'en. Va-t'en. Ok. Au revoir. Malik, ouvre-lui le portail. Et assure-toi que jamais plus cette idiote n'entre dans ma maison. Thank you.
Ouais. Donald m'a chassé de chez toi. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Parce que je sais que Donald n'oserait jamais. Mais il a fait. Il a eu le culot. Jessica, tu sais comment je peux être. D'habitude, je l'aurais remis à sa place. Quand cela s'est-il passé? La dernière fois que tu as voyagé. Imagine Donald. Donald, dire. Je suis furieuse parce que tu laisses un homme que tu as récupéré assister pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui te contrôler. Le pire est qu'il veut te transformer en femme au foyer et tu le laisses faire. Je dois régler les choses avant qu'elles ne soient hors de contrôle. Parce que un homme comme Donald va ruiner ma carrière. Tu ferais mieux. Oh, chérie, je suis désolée. Tu aurais dû m'appeler. Au moins. Je suis amoureux de mon bébé, je ne sais pas comment faire. Ah, et quand je vois mon bébé, je perds tous mes moyens. Elle est la plus belle. Oh. Écoute, Malik, comme tu peux le voir, je suis très occupée. Je n'ai pas ton temps cet après-midi. Je suis sur le point de faire la lessive, alors laisse-moi tranquille. Habana. Kay. Hein? Je veux juste qu'on soit des amis. Oui, je veux juste que toi et moi, nous soyons des amis. C'est tout ce que je te demande. Rien de plus. Ami. Bien sûr. Toi et moi, Malik. Oui. Sommes-nous des ennemis? Nous ne le sommes pas. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas ennemis. Bon, ok, vu que tu dis que nous ne sommes pas ennemis, je t'ai demandé de m'accorder juste un peu de temps, hein? Que tu viennes me voir dans mon appartement, afin qu'on discute un peu. Malik, es-tu fou? As-tu toute ta tête? Que ce soit la dernière fois que tu essaies ces conneries, pour qui me prends-tu? Si une telle chose se reproduit encore, je le dirai à monsieur. C'est déjà à ce niveau? Pourquoi est-ce que nos choses doivent arriver dans les oreilles d'Oga? Hein? Juste une blague que quelqu'un te fait, une petite blague, juste une petite blague. Une petite blague comme ça, tu veux déjà aller me trahir chez Oga? Hein? Petite blague que je fais comme ça, tu veux déjà aller me trahir chez Oga? Une petite blague. Tu ferais mieux. Tout ça parce que j'aime taquiner. Je te taquinais juste, c'est tout. C'était juste une simple blague. Ah, cette fille, juste des petites taquineries. Tu prends déjà ça au sérieux? Je suis juste venu ici pour qu'on s'amuse un peu. Je te lance, je taquine, je te lance des blagues. Mais toi, tu prends déjà ça comme si je t'avais touché. Hein? Donc maintenant, tout ce que je vais dire à cette fille, elle va prendre ça au premier degré. Quel genre d'homme es-tu? Tu t'es foutu de je moi. Je ne me suis pas foutu de toi, chère Minya. Tu es celle qui dramatise les choses. Tu veux toujours que on soit à tes pieds. Vraiment? Alors comment expliques-tu que tu ne décroches aucun de mes appels depuis des semaines? Le travail, tu le sais. Je suis toujours en train de bosser. Et ça peut vraiment paraître choquant des fois. Au point où tu ne peux répondre à un simple message d'Eric. Un simple message. Écoute, une chose que je déteste, c'est que quelqu'un me stresse. Et c'est exactement ce que tu fais actuellement. J'ai trop de poids sur les épaules, s'il te plaît. Ok, aucun problème. Je crois que j'aurais dû passer mon chemin et ne jamais m'arrêter. Je ne veux pas te causer de problème. Je ne voulais pas dire ça. Non. J'ai compris le message. Tu ne veux pas de moi dans ta vie, n'est-ce pas? Je dois partir. Merci de t'être servi de moi tout ce temps, me faisant croire que nous étions en couple. Bébé. N'ose même pas. Bébé, voyons, ne t'en va pas. Arrête de faire semblant, je m'en vais. Adeline, que fais-tu ici? Tu ne m'as pas appelé. Tu ne prenais pas mes appels.
Alors, j'ai décidé de venir voir ce qui cloche. J'imagine que c'est l'une d'elles, n'est-ce pas? Adeline, Germina, Germina, Adeline. Tu dois être malade dans ta tête, Derek. Oh! Maintenant, je ne suis plus ton bébé. Il y a quelques secondes, et c'était bébé, bébé, bébé. Maintenant, je suis Germina. Ah! Quel beau joueur tu es, mon Dieu! Et avant que je n'oublie, tu as toujours ma carte bancaire, n'est-ce pas? Assure-toi de me rendre tout mon argent avant demain matin, connard! Bébé, attends. Attends, je vais tout t'expliquer. Attends. Voyons, bébé, voyons. Tu n'as pas répondu à ma question. D'où est-ce que tu sors, Jessica? Donald, je travaille. C'est ce que je fais. Pourquoi c'est si dur pour toi de le comprendre? Jessica, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Es-tu la seule femme mariée qui travaille dans ce monde? Pourquoi est-ce que tu justifies ton irresponsabilité avec ton travail? Oh, écoute, écoute, Donald. Je n'accepte pas que tu m'insultes ou dénigres mon travail. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi fais-tu comme si tu es le seul qui paye les factures dans cette maison? Je paye aussi les factures. Quoi? Et c'est la raison pour laquelle tu te permets de voyager hors de la ville sans m'en informer. Oh mon Dieu, je rêve. Sans te dire, vraiment, on en parle vraiment. Ne fais pas comme si je ne t'ai pas envoyé un message. Un message, tu dis? Bien sûr que je t'ai envoyé un message. Je l'ai fait. Tu devrais avoir honte. Oui. Ah. Et maintenant, laisse-moi te dire, peu importe l'urgence que tu as, tu ne peux pas voyager sans que je n'en sois informé. Que ce soit la première et la dernière fois que tu fais une telle chose. Mais... n'importe quoi, j'en ai marre de cette maison. Monsieur, vous avez l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? Oh oui, je vais bien. C'est juste que j'essaie de tout mettre en place pour mon exposé de demain. Aurez-vous besoin de mon aide? J'aurais bien aimé. Mais il s'agit là de télémarketing et je ne pense pas que tu aies les compétences requises, alors tu comprends? D'accord, monsieur. Mais je pense qu'il serait cauchemardesque de parler de télémarketing à une ère où la technologie change graduellement la face du marché mondial. Wow. Oui. Oui, je veux dire, de nouveaux modèles technologiques sont vite développés. Ceci est dû à la prolifération des données mobiles mondiales dans le domaine de la téléphonie renforcée, ainsi un changement significatif. Si vous observez les dernières avancées technologiques des années précédentes, vous conviendrez avec moi que même la plus grande entreprise de taxi ne possède pas le moindre taxi. Ils utilisent plutôt les nouvelles technologies et les données mobiles pour créer un marché mondial. Wow. Wow. Es-tu diplômé? Oui, je le suis. J'ai un diplôme en marketing et développement d'affaires. C'est parfait, alors. Accepterais-tu de m'accompagner à ma présentation de demain, s'il te plaît, ne dis pas non. Ce n'est pas un souci, monsieur. Merci infiniment, Néné. Merci à vous, monsieur. J'ai vraiment apprécié ton travail aujourd'hui. Je vous en prie, monsieur. Euh,
Je suis désolée, monsieur. Je dois aller préparer le dîner maintenant. Ok, d'accord. Oui, monsieur. Ok. Ouais, la présentation a réussi. Merci. Si j'ai du temps demain, je te le ferai savoir. Qu'en dis-tu? Bonsoir, madame. Tu ne m'as jamais dit que tu étais diplômée. Madame, c'est juste parce que vous ne l'avez jamais demandé. Vous aviez vraiment besoin d'une ménagère. Et moi, j'avais besoin d'argent. Et tu t'es rendue à la présentation avec mon mari. Je suis vraiment désolée à ce sujet, madame. Il a dit qu'il avait besoin... Ah! N'ose plus jamais! Il est mon mari! Je t'ai embauchée pour que tu t'occupes de la maison et rien d'autre. Est-ce que tu comprends? Oui, madame. Je suis désolée, madame. Ada. C'est un gros problème. Elle vient tout juste de me gifler. Ah, son mari m'a demandé de l'accompagner à une présentation. Et c'est tout. Et elle est très furieuse. Merci de m'accorder du temps. Je vous en prie. D'accord, tu es magnifique. Très ravissante. Donald! Donald! Je dois partir maintenant. Mon boss est en colère. Ouais, je sais. Comme tu peux le voir, il ne m'a pas informé qu'il venait. Et si je le savais, je t'aurais moins dit d'attendre. Et ce n'est pas comme s'il me faisait peur ou autre chose. Mais considérant le fait que je ne lui ai rien dit à propos de nous, c'est très irrespectueux. C'est bon, Derek. Je dois vraiment partir maintenant. Écoute, Néné, je sais que tu penses que je suis un tombeur de femme. Je sais que c'est le cas. Je sais que c'est ce à quoi tu penses. Mais je veux changer. Juste pour être avec toi. Donne-moi juste une chance de te prouver que je t'aime. Derek, je suis juste une ménagère issue d'une famille modeste. Et nous n'avons rien en commun. Et je ne peux pas accepter que tu me brises de cœur. Je ferais mieux de rester seule et m'occuper de mes affaires. Je comprends. Mais mes intentions sont très sincères. Donne-moi une chance d'être un homme. Je promets de ne jamais te blesser. S'il te plaît. Derek, je dois vraiment partir maintenant. Je suis désolée.
Bonsoir, monsieur. Pourquoi est-ce que tu me manques de respect? Je suis vraiment désolée, monsieur, mais ce n'était pas mon intention. Je suis désolée. Derrick est mon ami. Je le connais très bien. Alors tu peux choisir n'importe quel homme pour une relation, mais pas lui. Je suis désolée, monsieur. Néné, je n'ai aucune envie qu'un homme se joue de toi. Monsieur Derrick n'est pas si mal. Approche. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne veux juste pas qu'il te fasse un quelconque mal. Oh ! Que se passe-t-il ici ? Bienvenue, madame. Ne me salue pas, idiote. Que se passe-t-il ici ? Donald. Donc, c'est pour ça que tu te comportes de façon étrange tout ce temps ? Hein ? Non, madame. Toi, la ferme ! De quoi est-ce que tu parles ? Qu'as-tu vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Tu doutes maintenant de ma vue ? Ça veut dire que je suis aveugle. Oh ! Je suis désolée, je suis aveugle. J'ai oublié, je suis aveugle. Et toi ? Va à l'intérieur, ramasse tes affaires et sors de ma maison. Je suis désolée, mais assez ! Je suis désolée, de ma maison. Va-t'en d'ici. Quelle maison ? La tienne ou la mienne ? Donald, Donald ! N'ose même pas. N'ose même pas. Sors de chez moi. Dégage, dégage. Sors de ma maison. Je reviens pour toi. Sors de ma maison. Dégage. Au camp de chez moi. Sors. Ne finis pas mes mangos. Pour combien veux-tu? Je te dis que je vais finir tes mangues. Hein? Je te pose la question, vas-y, réponds à ma question, réponds à ma question, réponds à ma question. Quand je vais finir de sucer, je vais te les payer, simplement. Il fallait d'abord que... Tu vas. Je m'en suis si elles sont... Hey! Quel autre? Donne-moi celle-ci. Arrête un peu, je vais te donner ton argent, mais tu... Ah! Que se passe-t-il dans ma maison? Que se passe-t-il ici? Et c'est quoi tout ça? Monsieur, moi, je vends mes mangos. Il m'a appelé qu'il voulait en acheter. Maintenant, regardez tout ce qu'il a mangé sans payer. Il ne m'a rien donné, maintenant, il veut finir mes mangos. Et toi? C'est comme ça que tu achètes des choses chez les marchands. Oh gars, je goûtais juste avant de payer. D'accord. Combien il vous doit ? 500. Hey, hein ? Et toi ? Regardez-le, espèce d'escroc. Idiot. Tu vas bien? Non, gars. Oui, c'est vrai, tu ne vas pas bien. Oui, tu ne vas définitivement pas bien. Sinon, attrape tes oreilles. Et répète après moi. Je ne vais plus jamais... Je ne vais plus jamais... Ouvrir ce portail. Je ne vais plus jamais, jamais... Je ne vais plus jamais, jamais... Ouvrir ce portail. À Monsieur Derrick. À Monsieur Derrick. Dans ma vie. De ma vie. Espèce d'idiot. Nettoie-moi tout ça et ferme mon portail. Espèce d'idiot. Nettoie-moi tout ça et ferme mon portail. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Non, vous ne pouvez pas entrer. Malik. Vous ne pouvez pas entrer. Malik. Respectez-vous. J'ai dit vous ne pouvez pas entrer, respectez-vous. Laisse-moi non, 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 non. J'ai dit vous ne pouvez pas entrer. N'entrez pas. N'entrez pas. C'est bon. Donald. Malik. Tu peux retourner à ton poste. Mon frère, tu as demandé à ton gardien de ne pas me laisser entrer.
Maintenant que tu es là, que veux-tu? Dis-moi. Eh bien, premièrement, je tiens à m'excuser de ne pas t'avoir dit à propos de Néné et moi. Et crois-moi, j'allais le faire. Je suis vraiment désolé. Je te connais, Derek. Tu es mon ami depuis tellement longtemps que je ne peux m'en souvenir. Maintenant, tu vas m'écouter. Néné n'est pas le genre de femme avec lequel tu t'amuses. Je comprends. Et je veux être sincère envers toi. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens pour Néné. Et tu me connais, Donald. Je ne mens jamais sur mes sentiments. Je l'aime vraiment. Je ressens la même chose pour elle. Oui, toi mieux que quiconque, tu sais certainement que mon mariage n'est rien d'autre qu'une blague qui ne fait plus rire personne. Ou tu l'ignores? Mon frère, je ne savais pas que tu éprouvais la même chose pour Néné. Et je vais te la laisser. Écoute, je ne veux pas que quelque chose se mette entre notre amitié, d'accord? Oh, ce ne sera pas nécessaire. Tu peux entreprendre ce que tu veux avec elle. Je vais juste me concentrer sur mon mariage, enfin ce qu'il en reste. Mais il faut que tu n'oublies pas. Je veux bien te la laisser à la seule et unique condition qu'elle soit la dernière femme que tu auras dans ta vie. Promets-le-moi. Je te le promets. Je te le promets. Je l'aime beaucoup. Et en passant, pourquoi est-elle partie de la maison la nuit dernière? À cause de Jessica. Viens, assieds-toi, je vais tout t'expliquer. Vrai. C'est pour ton frère, ma puce. Je l'ai immédiatement chassé de ma maison. Tu dois vraiment faire attention. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Exactement. Quant à moi, je ne laisserai jamais un homme prendre le contrôle de ma vie. Oui, bien sûr. Et ça devrait être ainsi. Il ne peut pas ruiner ma vie. Je pense... Non, mais... C'est moi qui décide. Désolée, je dois prendre cet appel. Je reviens. Salut, chérie. Où es-tu? Je n'ai rien de propre à me mettre. Ah, je suis désolée. La réunion a mis plus de temps que prévu. Je viendrai faire la lessive, s'il te plaît. Oui, allô, monsieur. Oui. Oh, ok. Oh, je serai là dans 5 minutes. Oui, monsieur, je suis en chemin. Ouais, oui, monsieur. D'accord. Je veux te voir, tout de suite. T'en fais pas, je serai là bientôt. Oh. Et dès que je suis là, je vais cuisiner pour toi. Bon, dis-moi, peu importe ce que tu veux, je viens le cuisiner pour toi. T'inquiète pas, je vais également faire la lessive. Hmm? Tu sais à quel point je t'aime, non? Ok, on se voit bientôt, ok? Je t'aime. Becky. Je devine que tu parlais avec un homme. Non, chérie, ce n'est pas ce à quoi tu penses. Oh, ne t'en fais pas. Excuse-moi. Tu vas bien? Thank you.
te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Il faut qu'on discute. À propos de quoi? Bébé. Au sujet de mon comportement. À propos de moi qui n'ai pas été très soumise. Moi qui n'ai pas consacré assez de temps à ce mariage. Qui est-il? Pourquoi ce soudain changement? Bébé. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je sais que notre mariage est sur le point de finir. Et je suis la seule coupable. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée. Je le savais. Je savais qu'elle était une mauvaise influence. Mais t'as pas voulu m'écouter. Dieu merci, tu t'en es rendu compte. Je suis désolée. Je suis prête à réparer les dégâts. Es-tu réellement certaine de pouvoir faire tout ce qu'il faudra pour tout arranger? Oui, bébé, je suis désolée. Je suis désolée. Deux semaines. C'est d'accord. Monsieur, bonjour, madame. Deux personnes sont au portail. Ils veulent vous voir. Je ne veux pas d'ennui avec vous. Vous m'avez demandé de ne plus jamais ouvrir le portail. Alors, je suis venu vous avertir parce qu'ils sont dehors. Je ne sais pas quoi faire. C'est Néné. Pardon? Néné. Néné? Non, Néné. Qui Néné? Non, c'est... Oui, oui, c'est elle. Je les demande d'entrer. Oui, oui, fais-les entrer. Fais-les entrer. Fais-les entrer, OK? D'accord, madame. Garde ton calme, s'il te plaît. Quand elle sera là, tu feras ce que tu dois faire. OK. Derek, mon pote. Mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Néné. Je sais que j'étais grossière envers toi. Je sais que j'ai été sans cœur, mais j'avais ces idées futiles, plein de choses dans ma tête qui me faisaient agir ainsi. Je suis désolée, vraiment désolée, je suis une autre personne. S'il te plaît, pardonne-moi. Ok. Je t'en supplie. Oui, Néné. S'il te plaît, fais-le pour moi. Pardonne-lui. Je t'assure qu'elle a beaucoup changé. Je voudrais juste que tu saches que si je voulais vraiment ton homme, je l'aurais eu. Non. Tu n'étais jamais présente. Toujours occupée au travail. Tu ne cuisines pas, tu ne nettoies pas, tu ne prends pas soin de lui. Je sais. Tu sais, j'avais ma dignité en tant que femme. Je veux dire, qu'est-ce que je gagnerais en brisant le foyer d'une femme comme moi? Et tu dois être reconnaissante pour le mari que tu as. Il est à la fois discipliné et respectueux. Je sais. Je connais l'homme que j'ai épousé. Oui, et je sais, je n'aurais jamais dû mettre mon foyer en péril. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je suis désolée. Je t'en supplie. J'ai changé. Pardon. Je suis désolée. C'est bon. Tu me pardonnes? Je t'ai pardonné depuis longtemps. Oh, merci. C'est bon. Et je suis très reconnaissant. Je suis content pour tout ce qui m'est arrivé. Je veux dire, si vous n'aviez pas emmené cette très jolie fille, viens mon amour, je n'aurais jamais rencontré ma femme. Hein? Es-tu en train de dire que vous allez tous les deux vous marier? Oui, bien sûr. Waouh. Oh, mon Dieu! Imagine ça! C'est une bonne nouvelle! Waouh! Néné! Ça, ce n'est rien d'autre que le pouvoir du destin qui a frappé. Et je tiens à vous dire que nous comptons nous porter garant de tout ce qui sera nécessaire pour que ce mariage dure une éternité. Tu es sérieux? Mmh. Ouais. Mon frère! Très bien! Merci beaucoup! Waouh! Félicitations à toi! Félicitations, ma puce! Yola!
Asseyez-vous. Okay. Ouais, bien sûr. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme